Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Tamarack Trail. On va découvrir ce petit roguelite qui n'est pas encore sorti, c'est une bêta fermée. Je remercie Peter de me permettre d'y participer, de Yellow Games. Et donc je vous ai laissé la petite cinématique d'intro que je trouve assez sympathique, vraiment bien faite et qui donne un peu un aperçu de la direction artistique du jeu qui est vraiment somptueuse et des musiques aussi qui sont vraiment bien bien cool. Qu'est-ce que Tamarack Trail? Donc c'est un jeu de type roguelite, relativement classique, hein. On va jouer sur une timeline avec notre personnage à gauche, les ennemis à droite. Mais à la différence de la plupart des jeux du style où on utilise des cartes, on doit faire un deck, ici on va utiliser des dés. Alors vous savez mon amour des dés, et on en reparlera, mais je trouve que le système marche vraiment bien, c'est un petit peu comme à la Curious Expedition, on peut faire des combos avec les dés, etc. C'est assez sympathique. Le jeu se joue à la manette, c'est un jeu solo, il est en français. Alors dans la version que j'ai, il n'est pas complètement traduit, il y a des bouts d'anglais qui traînent à droite à gauche dans des mises à jour ou ce genre de choses, mais la traduction française est franchement de qualité. Les musiques, je vous laisse, mais les musiques sont vraiment super cool. Et la DA est vraiment vraiment très très bien aussi. Donc c'est une bêta, le jeu sera probablement en early access, c'est pour ça que je l'ai noté, j'ai pas encore le prix malheureusement, il est annoncé pour probablement le mois prochain ou dans ces eaux-là. On va revenir sur la fenêtre du jeu, excusez-moi, j'ai coupé le son de mon casque par erreur, petit misplay. Donc vous avez pu voir dans la cinématique, on voit une lettre envoyée à la cabane du chirurgien. Et nous, justement, on va jouer un héros. Alors, on sait pas très bien, je sais pas si dans le jeu final ce sera plus explicité ou si ce sera pareil, mais on est un petit peu lancé dans le truc comme ça. En gros, visiblement, lui, c'est le vieux chirurgien. Ça, c'est effectivement sa cabane. On a reçu la lettre on doit essayer. Enfin, il nous envoie, nous, un de ses potes, un de ses disciples, je sais pas trop, pour aller. Je pense, dans un premier temps, papoter avec celui qui a envoyé la lettre, ou essayer de régler le mystère de la météorite, en tout cas. Donc, la cabane ici qu'on voit va être un peu le côté roguelite, c'est-à-dire que on va pouvoir, entre les runs, l'améliorer avec cette ressource-là qu'on va débloquer pendant le run. Alors, j'ai jamais réussi à en avoir pour l'instant, j'ai fait un petit run de test pour voir. Je suis mort avant d'en avoir débloqué. Donc, je pense que le jeu est quand même assez difficile, enfin très tactique, vous allez voir ça. Il y a beaucoup beaucoup de choses à penser et à faire fonctionner. Mais on peut augmenter tout un tas de trucs. La régénération de détermination de départ, donc on verra ce que c'est la détermination. Les avantages de défi. La capacité de relancer les récompenses de combat. Donc à chaque fois qu'on gagne un combat, on a des récompenses. Des lots des trucs dans le marché. Et salut JPH Sniper, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Il y a divers autres choses qu'on peut mettre dans la cabane et qui vont visuellement améliorer la cabane un peu à la Children of Morta. Assez sympathique, hein. Franchement la DA, enfin je vais le dire beaucoup je pense dans ce let's play, mais elle est vraiment hyper cool. On doit choisir un héros, donc de base, alors il y a un tutoriel que j'ai fait, donc il est passé, mais qui est vraiment très bien, qui explique avec des petites pop-up, des petites infobulles et tout, toutes les trucs intégrés dans le jeu directement. Au début on a que le détective comme personnage. On va pouvoir débloquer la magicienne et le pisteur également pour des points.
Mais de base, on démarre avec le détective armé de notre sagacité et d'une arbalète. Et bah pour l'instant, on n'a pas d'autre chose à faire dans la cabane, donc on va directement aller vers le sentier. Alors le sentier, c'est assez classique. Vous avez plusieurs chemins et à vous de choisir votre chemin. Et régulièrement, bah il va y avoir des boss ou des choke points que vous êtes obligé de prendre. Sachant que il y a un peu de quoi faire. Alors je rappelle que c'est la bêta, c'est même pas le jeu final. On voit qu'on arrive à la météorite au final. Il y a divers événements, divers types d'événements. Ça manque un petit peu d'infobulles pour l'instant pour savoir exactement qui fait quoi. Mais en gros, bon, c'est assez intuitif, hein. Ça c'est les boss. Ça c'est des tentes, on peut se reposer pour récupérer des PV. Ça c'est des combats, là on va avoir des coffres, etc. etc. Alors, on peut avoir un chemin ici. Là il y a un coffre. Ça c'est des événements aléatoires qui peuvent être positifs, négatifs. Vous pouvez avoir des choix moraux à faire. Mais je pense qu'on va partir vers un coffre. On va prendre le chemin qui va vers le coffre. Alors je suis toujours un peu malade pour ceux qui étaient éventuellement là hier. Donc je vais régulièrement devoir me mute pour me moucher, excusez-moi. Eh ben ils sont pas à partir sur ce chemin-là du coup, vers le coffre. Donc, notre premier combat, comment ça se passe un combat? On a plusieurs caractéristiques. En haut, ce sera nos points de vie. Donc on voit que les ennemis en ont deux. Et nous, on commence avec 5. En dessous, c'est notre détermination. Et ici, nos boucliers éventuels. Comment ça va se passer? En gros, la détermination sert de bouclier devant vos points de vie. Et elle va aussi permettre de servir d'endurance, de stamina pour lancer nos compétences. Un certain nombre de compétences qu'on a coûtent des points de détermination. Et il va falloir les dépenser pour pouvoir lancer nos compétences. Ça, c'est le nombre de détermination qu'on regagnera à chaque tour. Et en gros, du coup, un ennemi, lui, par exemple, va nous faire 2x4 de dégâts. C'est-à-dire une fois 4, puis une deuxième fois 4, c'est important. Donc 8 de dégâts en tout s'il tape dans notre détermination. Mais la blessure, il suffit de subir une blessure, enfin qu'on subisse en fait un dégât ou 10 de dégâts si c'est une blessure qui prend. Si c'est un cœur qui prend, on perd le cœur. Il suffit d'un dégât pour perdre un cœur, mais si on prend 10 et qu'on a 0 détermination, on perd pas 10 cœurs. Par contre, s'il fait deux attaques et qu'il tape, eh ben on va perdre 2 cœurs. Donc si jamais on a 0 détermination à la fin de ce tour et qu'il nous attaque, il va nous faire 2x4, mais en fait il va nous enlever 2 cœurs tout simplement. S'il tape dans notre détermination, il fait 8. S'il tape dans nos cœurs, il fait 2 cœurs. S'il tape. Si on a 3 déterminations qui fait 4, il enlève 3 déterminations et un cœur. Etc. Donc il va falloir surfer. Si on perd tous nos cœurs, bien sûr, on décède. Il va falloir surfer entre la détermination qui va nous servir de bouclier et d'endurance. Le fait de ne pas prendre de dégâts. Des fois, il faudra éventuellement pas lancer de compétences, faire durer un peu plus le combat si on n'a pas d'action définitive, enfin décisive à faire pour ne pas mourir, hein, tout simplement. Et alors, Atemir, salut Atemir, on peut pas perdre plus d'un cœur par attaque. Une attaque, en fait, quel que soit le nombre de dégâts qu'on prend sur un cœur, on le perd. Par contre, si l'ennemi fait deux attaques, comme lui là, on peut perdre deux cœurs. Mais une attaque, c'est un seul cœur. Un pool de dégâts, en gros, c'est un seul cœur. Même si l'ennemi nous fait 32, 250 ou même 250 de dégâts, on perd qu'un seul cœur. Par contre, s'il nous fait 5 fois 1, bah, on perd tous nos cœurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous de notre côté, l'ennemi a de l'endurance aussi qui se régénère. Alors lui ne n'a pas besoin d'utiliser des points d'endurance pour attaquer. Ça lui sert uniquement de bouclier. Et on doit faire tomber l'endurance avant de taper dans ses blessures. Et après, il y a différents types d'ennemis. Donc là on tombe sur un oiseau avec un fusil. Alors la DA, franchement les ennemis sont hyper hyper sympathiques. Et il a. A chaque fois qu'il a une blessure, il fait plus de dégâts. Ok, donc il va falloir qu'on l'élimine assez vite, mais bon, ça va lui avec 2 cœurs, ça doit être sûrement scaler avec les ennemis un peu plus forts. Et ils vont avoir différentes capacités selon leur type, tout simplement. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau dégâts. Ensuite, nous, comment on va faire des dégâts? On a des dés, on commence avec 2 dés. Donc on verra après, on peut modifier nos dés, ça va être un des gros aspects gameplay du jeu. C'est qu'on va débloquer des nouvelles phases pour nos dés et qu'on va pouvoir débloquer et qu'on va pouvoir modifier nos dés complètement à notre convenance pour essayer de construire le gameplay qu'on souhaite.
Donc on peut lancer nos dés, tout simplement, sur le truc du milieu. Hop. On a aussi un bouton pour les auto-lancer, parce que c'est marrant de les lancer au début, mais assez vite, on préfère le faire automatiquement. Et donc, une fois qu'ils sont lancés, on doit les jouer, bien sûr, ou ne pas les jouer. On peut choisir de passer le tour sans les jouer si on le souhaite. Alors, vous voyez ici le petit rebond. En gros, quand on cogne nos dés ensemble, ils gagnent une stack de rebonds. Il y a pas mal de compétences, en tout cas avec la détective, il y en a un certain nombre, qui deviennent plus puissantes selon le nombre de stacks de rebonds qu'on a. D'ailleurs, je me demande si celle-là, c'en est pas une. Ouais. Celle-là, par exemple, elle coûte 2 de détermination, on peut le voir là, là, ici. Et elle va permettre d'infliger 3 saignements par stack de rebonds. Donc quand on a que 2 dés, on peut avoir qu'une seule stack de rebonds, puisqu'ils peuvent se cogner qu'une seule fois. Mais quand on a plus de dés, on peut éventuellement les faire cogner ensemble, et on peut avoir 2, 3, 4, autant de stacks qu'on veut. Sachant que avoir plus de dés nous donne plus de possibilités, mais ça consomme aussi beaucoup plus d'endurance de lancer toutes les compétences. Quand on a déjà 3 dés, ça devient chaud. Je suis mort pour ça la première fois parce que je lançais toutes mes compétences à chaque fois et au final bah, je me suis retrouvé à poil et je me suis fait défoncer. Donc du coup il faut faire attention des fois, juste lancer les dés pour faire des collisions, pas forcément lancer les compétences, etc. Il y a des compétences qui peuvent être gratuites aussi. Celle-là par exemple normalement est gratuite mais vu qu'il y a un rebond elle coûte 1. Donc les rebonds ne sont pas forcément toujours positifs. Il peut être intéressant d'avoir des dés purement de soutien sans rebond. Et celle-là va nous donner de l'armure. Donc on va la prendre, comme ça on se protège déjà de 6. Et bah vu qu'on a quand même pas mal d'endurance, on va lui mettre un petit peu de saignement. En plus c'est pas des dégâts bruts. Donc là vous voyez on a automatiquement terminé le tour comme on n'avait plus rien à faire. Sinon on peut cliquer sur fin de tour à n'importe quel moment. Et l'ennemi nous a attaqué. Donc il a tapé dans notre bouclier, puis dans notre endurance. Notre endurance s'est régénérée, donc on est bien. Par contre lui, il a pris attroupement. A chaque fois qu'on lui fait des dégâts, il va gagner ça. Un autre ennemi apparaît à 3 cumuls. Donc si jamais on le tue pas avant qu'il ait 3 cumuls, il fait apparaître un autre ennemi. Il va donc falloir commencer à lui faire des dégâts un peu plus efficaces que juste un petit laminage comme ça. Donc pour en finir avec l'interface, vu que ça a été un petit peu vite quand j'ai joué le dernier dé, ici on a un reroll, on a la possibilité de relancer nos dés. On a 3 charges, mais attention, c'est 3 charges pour toute l'aventure. Si vous les claquez, il y a certainement des moyens de les retrouver, d'en regagner avec des events ou des objets. Mais si vous les claquez, c'est fini pour toute l'aventure. Et enfin, chaque personnage a une compétence qui d'ailleurs a l'air de changer parce que c'était pas celle-là que j'ai eu pour mon premier run. Donc ça doit être une compétence aléatoire quand on démarre la partie, qu'on peut utiliser une fois par combat. Donc la dernière fois j'avais regagné 5 d'endurance et là on a relancé tous les dés une fois par combat, ce qui est plutôt fort. Surtout que ça relance les dés. Ah oui, non, les dés lancés et inutilisés. Ok, donc ça lance pas les dés inutilisés. On est d'accord. Ça lance les dés qui sont là. Donc ça nous fait une charge de ça en plus gratos, quoi, par combat. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut faire un petit auto-lancer. Voilà. Et on a de nouveau un bouclier. On va le prendre. Et là, on a notre attaque de base, 5 de dégâts. C'est pas ouf, hein. Pour l'instant, voilà, il va invoquer un mec. Donc on va commencer à prendre un petit peu plus. Heureusement, ça reste des petits piou-piou. Bon là, ils vont quand même nous faire 2x8. Hein. Ce serait bien qu'on commence à sortir des trucs un peu sympas. Alors là, typiquement, je vais jouer ça en premier. Comme ça, je suis sûr qu'il rebondit pas et qu'il me donne pas de malus. Et là, bah du coup, ça ne nous sert à rien. On inflige 0 de saignement. Bah, on va relancer du coup. Ah non, tiens, j'ai regagné 5 d'endurance. Donc il y a un petit bug là d'affichage peut-être. Ok. Bah du coup c'est pas grave, on va passer le tour, on va encaisser. Donc là on arrive sur le cas classique hein, de quand je joue, c'est-à-dire que les dés et moi, c'est pas forcément où, j'arrête pas de sortir cette face-là. Alors qu'il y en a d'autres hein, sur ce dé pourtant. Et là on va lui faire 5, ce qui va lui enlever son endurance, mais on n'attaque pas ses PV. Donc c'est pas ouf. Je suis un petit peu poissard sur ce truc hein. Bon ok, là on a un peu plus d'attaque, on va essayer de là. Donc là on lui fait 2 plus 3, donc on tue un cœur et un deuxième, on tue un deuxième cœur, voilà. Donc on n'a plus que lui à affronter, mais il va quand même falloir s'en finir assez vite. Allez, mange, mange, il nous fait 4, donc on a ce qu'il faut. Hop là, hop là. Oh bordel, c'est pas possible, encore une défense qui va nous coûter. Bon, on va la prendre quand même, vu qu'il va faire 8.
Et alors ça, c'est un dé, c'est une face non commune, donc on a de base, on gagne un dé esquive, on retourne le dé de l'autre côté et on est épuisé. On va le faire. Enfin, on n'est pas épuisé d'ailleurs, c'est le dé qui est épuisé. Mais l'avantage, c'est qu'on retourne le dé de l'autre côté, ce qui fait qu'on peut réattaquer derrière, et comme il a pile 4, on va pouvoir lui faire des dégâts. Et là, du coup, il va nous mettre une attaque qu'on va esquiver, une autre dans notre bouclier, donc on va rien prendre, on peut donc se permettre de consommer. Et c'est parti. Donc la face du dé là est épuisée, ce qui fait que si on tombe dessus, bah voilà, d'ailleurs on la voit là, là. Si on tombe dessus, bah elle est grise et on peut rien faire. On peut pas lancer le dé, enfin il nous sert à rien quoi. Ok, on a réussi à gagner ce combat tant bien que mal. À la fin de chaque combat, on a le choix entre 3 phases de dés qu'on peut choisir. Donc là on a 6 en armure et une contre-attaque pour 2, c'est pas mal. Ça c'est quoi? Rare. 30 points de défense et épuisement. Ouh. 30 points de défense, c'est pas mal, hein. Et là, c'est celle qu'on connaît déjà. On va prendre, je pense, les 30 points de défense. On va aller voir ça. Alors le bouclier part à chaque tour. Oui. A priori, il me semblait que non, mais c'est ce que je voulais vérifier là, justement. Et il est parti, donc oui, il part à chaque tour. Je me remouche, excusez-moi, c'est pas assez dur ce matin. Ah, désolé, ça veut pas ce matin là. Et ça, hier, ça allait un peu mieux que ça. Donc, maintenant qu'on a débloqué notre premier combat, on peut regarder un peu ce qu'on a en haut. Donc, on va retrouver nos blessures. On a droit à 5 PV. On a de l'or qui va nous permettre d'acheter des choses dans les auberges. On a la Garmon Bonzia, qui est la fameuse ressource qui nous permet de jouer sur la partie roguelite. On a le temps. Alors, je sais pas exactement à quoi sert le temps encore, mais j'imagine que ça doit servir soit pour des records, soit peut-être qu'à partir d'un certain temps, les ennemis deviennent plus forts ou la corruption se répand, je ne sais pas trop. On a notre détermination max qu'on va pouvoir améliorer, notre régénération de détermination, et ici la personnalisation des dés qu'on va pouvoir aller voir du coup, vu qu'on a développé notre protéine truc. Oula! Petite console qui s'ouvre alors que je n'ai rien demandé. Pourtant notre face a l'air d'être là, donc bon je rappelle hein, c'est une phase de pure bêta hein, donc elle est pas publique, c'est juste pour vous montrer le jeu, mais elle est déjà assez complète, mais c'est la première fois que j'ai ça. Donc comment ça fonctionne les dés? On le met au centre et on va pouvoir changer les faces comme on le souhaite. Donc vous voyez que ce dé là je suis tombé quasiment que sur ces faces là alors qu'il n'y en a que deux. Sinon il y a trois phases d'attaque et une phase de d'esquive épuisement. On va avoir la possibilité plus tard de mettre des cœurs, ils appellent ça des cœurs, sur nos dés, qui vont leur apporter des bonus, plus de détermination, ou alors réduire le coût de détermination des cartes, ou de redonner des points de vie, enfin tout un tas de trucs. Et on peut tout simplement mettre les faces où on veut. Alors moi j'aime bien avoir un dé d'attaque, on va dire comme ça, et lui du coup, on va remplacer ici. Voilà, et je pense que là, on va faire un dé vraiment de défense. Et là, si on pioche cette carte-là, on voit que le dé est retourné de l'autre côté, ça nous indique que c'est cette face-là qui va apparaître. J'avais essayé dans mon run de test, j'avais pris une deuxième compétence retournée comme ça. J'avais mis sur mon deuxième dé, et forcément j'ai utilisé les deux se sont retrouvés épuisés, et avec ma chance légendaire au dé, je ne piochais après que... Enfin, je tirais que ces deux faces épuisées. C'est pour ça que j'ai cliqué toutes mes charges de relance de dés, parce que bah, j'arrêtais pas de tomber là-dessus, quoi. Et donc je pouvais rien faire pendant plusieurs tours. Alors l'épuisement se cumule pas. L'épuisement en fait épuise cette face-là. C'est-à-dire que cette face-là et sert plus à rien. Et donc si on lance le dé et qu'on retombe dessus, bah c'est grisé et le dé nous sert à rien pour ce tour-là. Et comme moi j'avais mis ça sur 2 dés, j'ai épuisé les deux faces, et après en lançant les dés, bah, je tombais tout le temps sur les faces épuisées. C'était un peu relou. Donc on va avoir des faces qui nous serviront à rien, mais qu'on pourra réutiliser, parce que des fois on pourra débloquer des dés qui seront pas complets. Allez, on va faire notre deuxième combat. Et on a un espèce de raton avec un pistolet qui a aussi le cœur sauvage, donc lui il a moins d'endurance mais plus de cœur par contre. C'est parti, lançons.
Et ben dis donc, le même lancer, on lui met un petit peu de saignement parce que ça sera toujours ça de pris. Et puis bon, on va prendre l'armure. Alors là, on sait qu'il va faire un malus ou un bonus. On sait pas exactement ce que c'est. Rapidité, doublez les dégâts de votre prochaine attaque. Ah, sympathique. Bah du coup, on va l'esquiver. Et on va continuer de le laminer un peu. 5 de saignement, ça va largement compenser ça. Et on a le droit de lui faire des dégâts en plus. Donc là, on, normalement, on va taper dans ses cœurs. Ah non, putain, il a fait plus 5 de ce con. C'est vrai qu'il gagne avant le... Il regagne son endurance avant que le saignement agisse. Donc là, tu vois, Atemir, la face est épuisée. Si on tombe dessus, bah, on aura une face grise et on l'aura dans l'os. Ok, on va prendre un peu d'armure. Non, il va pas attaquer, donc on va pas prendre d'armure. Bon, ok, je l'ai prise quand même. Et on va lui mettre des dégâts. Donc là, on va lui enlever un cœur. Le saignement devrait lui enlever un deuxième cœur. Et il s'est repris rapidité. Ok. Donc là, il va faire 10 de dégâts. Et il a 3 de saignement. On peut lui remettre 3 de saignement. Donc il va mourir. Il va mourir là. Il va regagner 3. On va lui faire 6. On va enlever son dernier truc. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Viser les yeux. 5 points de dégâts et 2 cumuls d'aveuglement, c'est mieux que notre attaque par défaut. 3 points et 2 cumuls d'assoupi. Alors, réduisez la régénération de l'endurance à hauteur du nombre de cumuls, d'accord. Et ça, 2 points de dégâts, faites tourner le dé vers la gauche. Ah, ça c'est pas mal parce que ça peut permettre d'enchaîner les attaques. On va prendre ça. Et du coup, on va le mettre sur notre dé d'attaque. On va le mettre là. Donc des fois c'est pas toujours facile hein, de savoir quel caste est à gauche, mais il nous l'indique. C'est assez cool. Donc là on va avoir un petit repos. On était full life, mais bon. Donc ça nous sert à rien, mais c'est toujours ça. Et on est parti. C'est moins bien que saignement, assoupissement. Bah ça dépend. Toujours pareil, hein, c'est dans les jeux, dans les roguelites, ou dans les jeux en général d'ailleurs de ce style. Est-ce que c'est mieux de mettre des debuffs qui font des dégâts ou des debuffs qui réduisent la force de l'ennemi? Il y a ambiguïté. Alors sachant que je sais que la détective a des attaques qui font des dégâts qui dépendent du nombre de debuffs de l'ennemi. Donc ça peut être pas mal de lui stack des debuffs. C'est pas inutile. Alors là, bah, on va lui mettre du saignement et il nous fait 4 de dégâts. Est-ce que ça vaut la peine? Ouais, on va l'esquiver ne serait-ce que pour le retourner. Et commencer à l'entamer un peu parce que lui là si on le fait juste du saignement il va appeler un pote. De toute façon il va appeler un pote. Il y a peu de chances qu'on le tue avant qu'il appelle un pote. Ok, on a une grosse armure. Et ben on va faire la grosse armure. Et on va le taper pour que le saignement. Non, le saignement va pas taper dans ses PV malheureusement. Alors là, on a deux faces épuisées. Bah voilà, là tu vois, la face elle est épuisée. Ça nous sert à rien. Le dé nous sert à rien. On peut le jouer, mais c'est tout quoi. Il fait rien. Putain, dommage, le saignement va pas le tuer lui. Ça c'est con. Ok, on va prendre un peu d'armure là, parce que lui il va faire chier, donc lui il faut qu'on le termine. Sinon il va nous faire bien mal, vu qu'il fait des dégâts en plus quand il lui manque des cœurs. Ah là là, là on fait rien du tout. Bon, on va relancer. Un petit rebond. Ok, du dégât. Nous faire 2x4, on peut le prendre. Mais ça nous coûterait moins cher. Ça nous coûte 1 à cause du rebond, ça devrait être gratuit sinon. Mais c'est toujours mieux que perdre 8 d'endurance. Hop là, deux attaques, parfait. On va lui faire mal. Là, on entame son cœur, nickel. Alors, je sais pas pourquoi on a un bug là de traduction là. Ah, je l'ai pas lâché. Ok, un dé qui sert à rien, mais on a les dégâts qu'il faut pour le finir. J'aime bien le transformation en squelette là. Alors, on a insolite. Attaque, infligez 4 points de dégâts et faites tourner le dé vers la gauche, ok. Deux cumuls de parade.
Inflige 2 cumuls de confusion aux ennemis qui vous attaquent. Ok, confusion ça réduit les dégâts de 50%. Et celui-là on le connaît, mais il est un peu chiant à utiliser avec seulement 2 dés celui-là. On va prendre l'attaque surprise. Ça nous permet peut-être. Là, si je le mets ici, on va ouvrir la gauche, on gagnerait ça. Bon, c'est pas très utile. Et sur l'autre dé. Genre, si je le mets là. Là, on pourrait faire un bel enchaînement. Hein, parce que on fait 4 points de dégâts en tournant à gauche, on fait 2 points de dégâts en tournant à gauche, on fait 5 points de dégâts. Ah, ça, on commence à causer là. Et bon, on va les tester. C'est raté. C'est pas grave, on va bien entamer son endurance déjà là. Il a pris sa rapidité. Alors dans mon test, la rapidité était buggée, elle marchait pas, mais j'ai l'impression que maintenant ça fonctionne. Hein. Le 12 là, il fait carrément pas plaisir. Hein. Alors on va se défendre un peu. Et du coup là on peut lui faire 2 et ensuite 5 et attaquer un cœur. Et du coup il nous fait 14, 1 par blessure x 2, ouais donc c'est ça, 14. Donc c'est bon, là, ils ont patché la rapidité, ça fonctionne maintenant. On peut lui enlever un autre cœur, il va faire 10 de dégâts, on va se protéger comme on peut. Le cœur sauvage, voilà, ça commence à piquer quand l'ennemi... Il a plus de 2 cœurs. Hein. Ok, parfait. Enseignement. Pour le plaisir. Et surtout, on le finit. Alors. Ça, ça coûte 2 pour 5 de dégâts et 2 d'aveuglement. Et ça coûte 1 pour 6 points de dégâts et 3 cumuls d'aveuglement. Bah, on va prendre ça. Bizarre ça. Celle-là devrait être considérée rare, je pense, parce que. On va prendre ça et on va la mettre à la place de notre compo là. Ici. Comme ça, on multiplie nos chances de tirer cette compétence-là qui fait très mal. Alors qu'on tombe sur cette face-là ou cette face-là, on pourra la jouer. Ça va commencer à piquer un peu. Mais avant, un cœur. Un coffre. Alors, les coffres. Les coffres vont nous donner des artefacts qui sont les fameux trucs qu'on pourra mettre sur les dés. On a quoi? Augmenter de 1 la régénération de la détermination. 5 points de défense lors d'un retournement de dés. Pas mal. Augmente de 1 les dégâts causés par les attaques. Ouh, ça c'est fort aussi. Ça, ça pourrait transformer notre dé d'attaque en un peu de défense. C'est pas un mal. Ouais, le pouce géant, j'aime bien le pouce géant aussi, Atémir, je suis d'accord. Donc comment ça marche, c'est assez simple, on prend notre dé et on dit, hop là, je mets un pouce géant dessus. Et voilà, notre dé a un pouce géant. Donc il faut un artefact par dé. Hein. C'est parti. On arrive bientôt au boss, mais ça se passe bien pour le moment. Ouais, ça fait 15 de défense gratuit, je suis d'accord. Ok, un nouvel ennemi, lui il a un gros canon. Il a 20 et il a 4. Et il régénère de 4 en plus. Ok, il fait 2 x 6 pour commencer quoi. On tire vachement souvent le saignement au début je trouve. Aïe. Ah ça pique, celui-là il pique. Ok, on peut lui faire un peu de mal. Hop. Et donc on a récupéré ça, on gagne 5 de défense. Et donc là on va lui mettre... C'est 25%. Ah, c'était 50, ils ont réduit à 25%. Donc maintenant c'est 25% pendant 4 tours au moins. Ce qui est pas mal, il va faire un 8, on a 5 de défense. Est-ce qu'on prend la peine d'esquiver son attaque? Non, on va prendre dans la défense. On va pas épuiser notre carte maintenant. C'est pas la peine. Oh, parfait. On reprend un peu de défense. On lui remet un petit peu de saignement, on commence à bien attaquer son truc. Il va faire 2 x 4. On va esquiver la première et rattaquer. Vous voyez, hein, ça commence à bouffer l'endurance, hein. Faut faire gaffe. Hein. Ah non, ah merde.
Ok, bah c'est pas grave, on fait notre combo, on attaque. On attaque. Et on va commencer à taper ses cœurs. Même pas. Mince. J'avais calculé qu'on l'attaquait pourtant. Bon, ok, je me suis gouré. On va se reprendre un petit peu d'endurance. Et on termine le tour. Donc on a esquivé, on a pris la suite dans nos dégâts, dans notre armure. 2 x 4, on va se blinder un peu et on va lui mettre du saignement. Ça va pas suffire à faire tomber son bouclier là. On est un peu léger en dégâts avec nos attaques de base là, c'est un peu mou. Hein. Alors là il va faire un bonus ou un malus. C'est rouge, ça tend vers le rouge donc je pense que ça va être un malus. Cette fois on attaque son cœur. Voilà, parfait. Si on arrive à garder son truc bas, ça va le faire. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Renvoyer la moitié des dégâts à l'attaquant. Ah, le truc de fumier. Du coup, on va lui mettre du saignement. Déjà, on va l'obliger, on va compenser ça, c'est pas mal. Il faut qu'on lui enlève des cœurs. Il va nous faire un 8, le salaud. En plus, on prend des dégâts là. Aïe. Ouf. Le 9, il pique là. Hein. 2 x 6, il va faire. Mais il a 0. Est-ce qu'on peut le tuer? Ah putain, on peut pas le tuer. Si, on peut le tuer. On a notre combo. Un cœur en moins. Attention, on va prendre des dégâts. Ok, c'est bon. Passe. Joli, 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 joli. Infliger 2 en dégâts à tous les monstres. Tourner le dé vers la droite. Infliger 3 points de dégâts et de l'assoupi. Alors on peut voir, hein, ça peut être puissant, hein, l'assoupi. Hein. Éviter que le mec il régénère son endurance. Ça rend beaucoup plus facile à tuer quand même. Est-ce qu'on reprend celui-là qui est quand même pas mal, hein. Sinon on peut tourner le dé à droite. On va prendre ça. Alors du coup j'aurais presque envie de le mettre genre comme ça, 2 de dégâts. Et on débloque ça, et après on réattaque. Ou alors je laisse le dé vraiment purement en défense. Ouais, là on a tout un avantage à ce que ce dé-là il fasse que des rotations. Ok, on va le garder. Comme ça nous donne de la défense. Bon bah c'est parti pour le boss. Voyons voir notre premier boss. Un cerf avec un fouet. Ok. 20. Oh, il a que 2 de régénération, ça c'est super cool. Et ben on va commencer à l'endommager un peu. Voilà. Il fait 7 quand même, hein, ça pique. On gagne pas suffisamment d'endurance pour compenser. Ah mais là on va pouvoir l'enchaîner par contre. Enfin un petit peu. On va lui mettre un bon malus. Ok, il fait plus que 5. On continue d'attaquer. On a largement d'endurance pour le moment. En plus on a notre défense. Alors, il va lancer un sort. Donc c'est pas forcément utile ça. Par contre, on peut claquer de l'endurance ici. Ensuite, on attaque un cœur. On attaque un deuxième cœur. Ok, ça se passe bien le combat avec le boss. Là, on a eu des bons tirages. À la fin du tour. Ah, d'accord, il a invoqué un pote. Ok, ça se passe pas si bien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Recevez la moitié des dégâts. Perdez 1 en furtivité par attaque. 2 x 6. Coucou! Ok, on a une grosse défense à prendre si on veut, et on peut mettre du saignement. Alors ça va pas suffire, mais on va éviter qu'il remonte trop. Est-ce que je prends ça? 2 x 6, et ça sera épuisé, il va nous faire ouais, 12. Non, on va le prendre. Faut qu'on encaisse là, sa double attaque là. Alors attendez, qu'est-ce qu'on s'est pris là? Brûlure, oula, 2 de dégâts à la fin du tour et exposé 50% de dégâts supplémentaires par cumul. Waouh! 2 x 12 il va nous faire.
Ah ouais, ça pique les fesses. Il faudrait qu'on le tue du coup. On lui enlève un cœur et on va lui faire une attaque normale. Voilà. Ça c'est fait. Il n'y a plus que lui à gérer. On va lui mettre l'aveuglement, prendre nos dégâts. Merde, pourquoi j'ai fini le tour? Oh là là, mais n'importe quoi moi. On se concentre là aussi, on se concentre. Il faut lancer, c'est ici le lancer, c'est absolument pas là. Il va, donc là ça sert à rien d'esquiver. Par contre, on peut commencer à l'entamer parce qu'à cause de mes conneries, du coup, je l'ai pas entamé. Ça, ouais, on va quand même le retourner de l'autre côté. L'esquive disparaît pas, hein. Donc ça peut valoir le coup quand même de le faire, ne serait-ce que pour pouvoir l'attaquer et avancer un peu. Ok, il m'a remis explosé. Ah, l'esquive a disparu. Donc maintenant, l'esquive disparaît, autant pour moi. Bon à savoir. On va lui mettre un saignement. Une attaque. Et on va encaisser son 8 là. Alors, le passer le tour là, ça va nous coûter cher. Hein. On a notre combo. On va lui faire 4 pour enlever un cœur. Et après 2 pour enlever un autre cœur. Et on est bien. Parfait! Et on gagne un nouveau dé! Nickel! Voyons voir ça. Donc on gagne un dé et il est tout vierge. Est-ce qu'on a assez de face? On a même pas assez de face pour lui. Je pense qu'on va récupérer. J'ai envie de récupérer cette face là. Ouais, bof. Alors on fait un dé vraiment full attaque, on est sûr qu'on peut attaquer avec. On va faire ça. Un dé pure attaque, allons-y. Alors, ensuite le chemin. Ici on a un coffre. Et un truc, et des événements. Un deuxième coffre si on veut, plus un événement. Là on a deux combats, un événement, un petit coffre quand même. 3, 4, il nous faut des phases de dés. Hein. Là il y a pas mal de combats sur ce chemin là. Je sais plus quel est le symbole de l'auberge en fait. On ne sait pas ça. Bah, on va aller voir. Ah! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va se mettre 10 d'armure. Et ça, si je ne m'abuse, ça ressemble à un gros gros canon. Ça me plaît pas des masses. Eh bien, allons-y. Donc là, vous voyez, on a eu deux cases, deux rebonds sur ce dé-là. Donc il a deux petits stacks. Et ben, on tape. Ça nous coûte cher hein, en endurance ce combo. Donc ça on va pas le lancer parce que comme on l'a vu l'esquive disparaît. Ah bah voilà. On a l'air malin. Et on va nous faire 7. On va se permettre de prendre 5 d'armure. Dans son armure quoi. Ouf. Foiré. Ok, on a 10 d'armure, c'est pas mal. On peut se permettre de claquer un petit peu d'endurance. Il faut faire tomber cette saloperie là. Alors vous voyez, endurance, ça peut partir vite. Hein. Ok, tant qu'on arrive à se défendre, ça va. Il va faire un malus ou un bonus. Là, ça nous coûte 2. On va essayer de passer sa foutue défense, là. Attends, on a même pas réussi. Il va regagner 5. Oh la vache. On va gagner un peu d'endurance, nous.
Ok, donc il rattaque, il s'est fait quoi? Effectue une attaque lourde à 3 cumuls. Oula, je suis pas pressé de voir ça. Ça coûte 4 à cause des combos, ça. En fait, faudrait pas qu'on ait de rebond sur ce dé-là quand il tombe sur le truc qui tourne. Bon, on arrive au moins à lui encaisser ça. On a suffisamment de défense. Bon, en même temps, ça c'est gratuit si je ne m'abuse. Non, ça coûte 1 parce qu'il y a un rebond, donc on va pas le faire. On va profiter qu'il a plus d'armure. On va tout claquer pour casser du cœur. Il va faire très mal, mais ça tape dans notre armure. Par contre, il a gagné une deuxième truc. Ah, il va faire de l'armure. Faut le tuer maintenant. On a assez. 4. Fait tomber. On fait tomber. Ouf. C'était chaud, hein. C'est passé à que dalle. Le 5 de régénération d'endurance là, waouh. Alors, infliger 4 cumuls d'assoupi par rebondé, 2 cumuls de parade hein, ou l'esquive. On peut aussi refuser et prendre 20 balles hein. Est-ce qu'on se ferait un dé destiné à jouer sur les rebonds? C'est risqué, hein. C'est pas mal d'aléatoire, bon, même si c'est assez facile de faire des rebonds. Y a pas de truc qui m'envoie du rêve. En fait, on est trop. Je peux. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Non, il me semblait que je pouvais prendre l'argent. Ok, autant pour moi. Bah du coup, je vais prendre ça. On va quand même le mettre parce qu'on a une phase vide. Donc autant l'utiliser. C'est sur pas sur ce dé-là. C'est sur ce dé-là. Hop, voilà. Allez, on progresse. Ouais, je pensais à ça, à Temir, un des défaits avec le saignement, mais ça me plaît pas trop parce que c'est assez trop aléatoire en fait. J'aime pas quand c'est aléatoire. C'est peut-être une erreur, hein. C'est un jeu qui est basé sur l'aléatoire, mais c'est vrai que j'ai tellement la poisse. Du coup, lui, il va falloir qu'on le tue parce qu'il va invoquer des potes, et lui, il nous fait des malus de mémoire. Alors là, on peut mettre 6 de saignement. Ça, c'est pas mal. On va le mettre sur lui, on va essayer de se débarrasser de lui assez vite avant qu'il foute la merde. J'ai presque envie de le relancer, ça. Non, ça serait pas logique. On va prendre 4 dans notre endurance, je pense que c'est acceptable. Alors lui, il a fait quoi du coup? Il réduit ses attaques, il réduit les dégâts qu'il prend. Là, on va pouvoir le tuer lui, hein, si on fait ça. Ah zut, ça fait venir l'autre. Oui, forcément, il était à 2, donc il a pris des dégâts. Donc bon, c'est pas grave, on va le finir quand même. Il va crever du saignement. On peut donc s'amuser à mettre un petit peu d'aveuglement là. Et on va prendre ça parce que ça coûte 1 plutôt que 3, c'est quand même mieux. Ah, mais, ouais, ça va tenir. Ok, donc lui en fait il nous met pas de debuff, ça doit pas être celui-là, ça doit être une variante. Lui il se met des buffs plutôt. Alors 2 x 3. Ok, on entame et on va se mettre un petit peu d'armure. Allez, ah dommage. Alors là, on peut faire 10, ce qui veut dire qu'on peut taper dans ses PV. Par contre, il va faire plus mal. Pourquoi on n'a pas fait 10? Ça fait pas 10? Ça fait que 4? Ah, ça fait 4, mais qu'est-ce que je suis
Ils ont dû changer, ça faisait 5 avant ça. Ok. C'est pas cool. On va se défendre. Mais il y a une mise à jour qui est tombée là. Qui change un peu. Mais ce que j'avais vu pendant mes tests. Donc ça on est d'accord, c'est censé faire 6 points de dégâts, mais ça fait pas 6 points de dégâts. Non, ça fait 2. Ah ouais, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de dégâts que ce que je pensais. Ok, donc ils ont dû mettre à jour, mais la traduction est pas à jour. Ah, ça c'est dommage ça. Clairement c'est dommage. Ça nous fout un peu dans la merde. Ah, là on a pris un coup dans nos cœurs. Faut qu'on booste. Ouais, ça nous fout un peu dans la merde. Et ça, c'est censé faire 5 points. Ok, bon, ça fait suffisamment pour le tuer déjà. Est-ce qu'on se permet de consommer? Ouais, on va consommer un petit peu pour laminer un peu ces trucs. Ouais, viser les yeux était mieux, ça doit être pour ça, ouais. Elle devait probablement faire vraiment ses dégâts. Alors de la défense, on s'en fout. Donc là normalement il réduit les dégâts de 2. On a fait 2 donc ça doit être 4. Ok, donc ce truc là doit faire 4. Je vais repasser en. Je peux repasser en. En anglais directement peut-être. Hein. English. Ouais, 2 de dégâts. Bah oui, voilà. Ça change un peu la donne. On va quand même lui mettre blind. Et se défendre, c'est pas la peine. Ok, il nous a mis le truc. On va prendre plus de dégâts. Ah, tu peux rentrer, toi. Et donc ça... Non, c'est toujours censé faire 5. Donc ça doit être arrondi à l'inférieur, du coup. Donc là, du coup... Ouais, 5, ok, donc c'est bien 5. Donc il n'y a que l'autre qui est incorrect. Alors, on peut le finir, hein, même en faisant que 2, parce que là on enlève un cœur, on se retourne et on enlève un cœur. Voilà. Alors, backstab, 7 de dommages par stack. Donc si on a 0 stack, on ne fait rien. 2 exposés si on était sous la furtivité. On n'a pas de furtivité. Alors, 7 de dégâts et tourner le dé si on touche un ennemi qui a des debuffs. Ouh, c'est fort ça. On va prendre ça. On va commencer à faire un dé, je pense, effectivement, avec le saignement et tout. On va enlever ça, on va mettre ça. Alors, du coup, il faudrait qu'on fasse ça et qu'après. Parce que du coup. Ouais, quoique, on fait ça. Ça nous permet de lancer notre combo après, c'est pas si mal. Et là, on va mettre ça en haut. On va commencer à faire un dé basé sur les rebonds, je pense. On va repasser en français pour le plaisir. Voilà, hop. Un coffre. Encore un pouce, un champignon. Toutes les compétences défensives confèrent 2 points de défense supplémentaires, ok. Ou augmenter les dégâts causés par les attaques. On va prendre ça. On va le mettre sur notre petit dé de combat là. Voilà. Donc là on passe à 6 partout. Sauf le saignement bien sûr. Progressons, on a perdu un PV hein. On fasse attention. Waouh, la violence. Ça va piquer les fesses. Alors, lequel on bute en premier? Lui va se mettre une armure, donc de toute façon, on pourra pas le faire de dégâts après. On va se concentrer sur celui-là, je pense, ce tour-là. En plus, on gagne 5, donc on va pouvoir éviter d'utiliser ça. On lui met un petit peu de blind. On lui met une attaque supplémentaire. On a tout enlevé. On devrait pouvoir le tuer assez vite, celui-là. Ok, il va se mettre un malus. Parfait. 7 de dégâts. Attends, c'est presque dommage que lui il ait un bouclier.
On va tuer celui-là. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça? Si j'utilise ce dé-là, ça me coûte 4 points. On tue celui-là. Et on gagne 5 points d'armure pour nous protéger contre lui. À place, si j'utilise ça, ça me coûte 2 plus 1 ici. Donc c'est plus rentable de faire ça. On le tue avec ça et après on gagne de l'armure avec ça. Et après on passe. On prend dans notre armure. Ok, il va se remettre de l'armure, donc c'est le moment de le taper. Bim. Bim. Bah, on n'a pas mieux, l'esquive va pas être utile. Ouf, 9 de dégâts. On va pouvoir gagner un peu d'armure en tournant et après en lui enlevant un petit peu de truc comme ça. On va se prendre de l'armure. Putain, il est quasiment revenu full quoi. Deux attaques, c'est parti. Et ça sert à rien pour le moment. On va gagner de l'endurance un peu. Ok, il commence à préparer sa furie de coléoptère. On l'a pas du tout entamé. Ah, on a notre combo. Ce qui va nous permettre d'avoir de la défense en plus de dégâts. Donc on y va. On crame un peu l'endurance, mais voilà, il faut qu'on fasse tomber son endurance à lui là. Il a deux charges de coléoptère. Attention. Ah, on a de nouveau notre combo, on va pouvoir laminer son armure. On lui enlève un deuxième cœur. Encore un. Est-ce qu'on a assez pour lancer ça? Oui. Parfait. Ouh, ça passe. De justesse, mais ça passe. Alors, 10 de dégâts et 2 enseignements par stack. Ouais, bah parfait, on va prendre ça. On va aller le mettre sur notre dé à stack. On va le mettre là. Tiens, je suis curieux de voir d'ailleurs. Ça coûte pour 11. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir. C'est marrant parce que ça veut dire que les traductions ne sont pas basées sur les valeurs. Genre, si je mets ça, on passe à combien? On passe à 6, ouais. Ok, intéressant. Salut Zikino, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors, la croisée des chemins. Ok, on a une mythe ou un hanneton. Une luciole, je ne sais pas. Une luciolite. C'est parti. Alors, ça, il faudrait que l'ennemi ait un debuff pour que ce soit utile. Lui, il commence à faire du dégât, donc on y va. On va lui mettre ça. Il a un debuff, maintenant on peut le taper avec ça. Et ça nous permet de retourner le dé. Attaquer ses cœurs, il va invoquer un pote, mais on va le finir. Et on a un max d'armure. C'est plutôt pas mal. Ça sert à rien de l'utiliser pour le moment. On va économiser notre endurance. Qu'est-ce qu'il nous a foutu l'autre là? Ah, il réduit notre génération d'endurance. Le salopio. Ils vont faire 2x4. Oui, c'est chelou l'histoire des trades qui utilisent pas les mêmes valeurs. Comment ils se sont débrouillés pour les avoir en différent, mais quand même qui bougent. Oui, c'est bizarre, ouais. Je sais pas, il doit y avoir un... probablement une chaîne de caractères spéciale qui joue sur le qui représente une variable dans le jeu quoi, qui du coup est pas traduit en tant que tel mais qui fait partie du texte quand même. Alors on a eu quoi? Notre grosse défense. C'est peut-être pertinent. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est lui le plus dangereux hein. Donc on va se concentrer sur celui-là.
Ok, donc là on va prendre 4 et 3, donc il y en a. On va prendre 2. Et si on dépense ça, ça nous coûte 4. Bah ça peut pas être du texte pur à Temir parce que justement ça change juste la valeur. Ou alors ça veut dire que pour l'objet qui augmente de 1 de dégâts, ils ont stocké quelque part l'intégralité de toutes les chaînes de caractères de tous les autres textes pour juste augmenter de 1. Ce qui paraît quand même un petit peu abusé. En général, bah, j'ai fait pas mal de traductions, notamment sur TA, donc c'est pour ça que je le sais, hein. Quand tu traduis, là, c'est écrit gagner 30 points de défense, épuisement, mais en vrai, ce que tu vas traduire, c'est gagner XX points de défense et épuisement, quoi. Voire même variable épuisement. Et c'est au dev de dire bah qu'est-ce que c'est l'épuisement. Et le texte, le 30, c'est une variable, quoi. Parce que sur une mise à jour, justement, ils peuvent avoir envie de le bouger. On va pas l'activer ça, ça nous coûte trop cher. On va plutôt encaisser, tant pis. Ok, tu vas nous remettre un malus. 2 x 3. Ça va piquer. Ah, on peut pas le finir. Et on est à poil par contre. Donc on va claquer ça. Il fait 2 x 4. Non, faut qu'on. On perd moins d'endurance si on prend la défense. Putain, par contre, le truc qui nous limite la régène. Waouh! C'est hyper tendu, hein. Alors ça fait quoi déjà? Deux cumuls de parade. Hein. C'est pas trop le thème. On pourrait faire tourner le dé. Pour 4. 4, on fait tourner le dé et on finit celui-là. Ça me paraît bien. On gagne suffisamment de défense pour tenir. Est-ce que ça vaut le coup de commencer à l'endommager? On fait 3 de saignement là. Là, on fait 4 de dégâts. 3 de saignement, je pense que ça peut valoir le coup. Par contre, ouais, on est short, hein. Sinon, cet animal gris qui s'est fait planter, il serait pas mieux face après une face qui met des malus. Si, Zikino, mais j'ai pas de dé qui met un malus et qui fait tourner la face. Donc, du coup, non. Techniquement, si, mais dans les faits, probablement pas, comme on dit. Il nous fait rien, il va certainement nous remettre son malus, on va le taper. Toc, un instant. Hop là. Et non, Zikino, si on regarde les faces, en gros, là on fait des dégâts, on fait tourner le dé, ensuite on fait des dégâts, on fait tourner le dé, et tout à la fin on fait des dégâts et là on met un malus. Et lui, du coup, il fait tourner le dé si l'ennemi a un malus. Mais du coup, on a moyen de mettre des malus avec ce dé-là et avec ce dé-là. Donc, bon, même si ça c'est indirect. Donc, il y a quand même moyen que, avant d'avoir pioché ça, on ait réussi à mettre des malus à quelqu'un. Sinon, bah tant pis, c'est pas de bol pour nous. Toc toc toc, là typiquement il a un malus, ouais, de toute façon il est mort, on va se contenter de le finir. Hop là, voilà, ça c'est fait. Bon, alors du coup, ça non, ça c'est quoi? Infliger deux cumuls de confusion, faire tourner le dé vers l'endroit. Bah voilà, par exemple, ça c'est un bon truc à mettre juste derrière ça, enfin juste devant pour le coup. Et d'ailleurs, j'hésite à reprendre un autre comme ça, mais celle-là est quand même pas mal, hein. On va prendre ça, on va faire un truc un peu rigolo. Donc du coup, ce dé là, si je mets ici vers la droite, c'est là. Et donc du coup, on le mettrait genre là. Ah, ça marche pas. Ça marche pas parce que tourner le dé vers le haut, ça amènerait vers ce dé là.
ça. Parce que j'imagine qu'on peut pas tourner en rond comme ça serait abusé. Bah on va essayer, tiens. Peut-être rigolo. Ah, tant qu'on a de l'endurance en tout cas, parce qu'à l'infini... Ah oui, que l'endurance ça part vite. Alors, on a un gros tac, un canon et un moustique. Un moustique, il a quoi? Gagnez un cumul de vermine par tour en cas de blessure. Guérissez une blessure et perdez vos cumuls de vermine à 3 cumuls de vermine. Ok, donc s'il est blessé, il se soigne au bout de 3 tours. Il commence par nous faire 6 de dégâts. Très bien. Alors, je pense que c'est lui le gros DPS, mais encore que c'est pas sûr. Hein. Lui, il est plus facile à faire tomber. On va peut-être se concentrer sur lui. Hop, on réduit ses dégâts comme ça. L'armure qu'on a gagnée fait le taf. Et ça, ça nous sert pas pour le moment. Ok, il renvoie des dégâts. Parfait. Genre le haut c'est différent en fonction de là où tu es, la droite non. Ouais mais c'est pour ça je pense que le... Oui le truc indiquait la case vers le haut. Mais je pense que... Excusez-moi là vraiment j'ai le pris. Vu comment est fait le dé, vers le haut ça sera toujours sur la droite pour le truc. On va voir. Mais on va tester tiens, on l'a tombé. Donc on récupère ça. D'accord. Vous avez déclenché un combo infini. Ces puissants effets surviennent quand vous enchaînez les rotations de face pour former une boucle. Ah, excellent. La dernière phase de la boucle s'épuise pour alimenter le combo. Ah. Chaque fois, sa capacité rotative offre un effet de combo infini différent. D'accord. Et donc là, du coup, elle a mis quête de confusion à tous les ennemis. Ah, c'est rigolo. Bah, comme quoi, ils ont prévu le cas, Zikino. Ah ça fait chier de finir lui avec ça, donc je pense qu'on va mettre le 11 sur lui plutôt. 11 et saignement. Hein. Et alors attention parce qu'il va se soigner par contre lui. Il faut pas qu'on traîne trop à le tuer non plus. Ok on peut lui faire 2. Ok, j'ai rien fait, pourquoi? Fuck. On est obligé d'utiliser tous nos dés du coup, il faut le terminer. Et là il va nous faire 7, donc on va devoir se défendre. J'ai activé ça déjà? Non, on va le faire. Pas fin de tour, non. Pas fin de tour le sim. Ne se déconne pas. Alors, on peut lui mettre un petit peu de saignement. C'est parti. On peut se gagner un petit peu d'armure. Et réduire ses dégâts. Sachant qu'on prend des dégâts à chaque fois qu'il nous en renvoie, cet enfoiré. Donc mettre un max de saignement, ce serait intéressant. Il va faire quoi? 2 × 3 et on a que 3 d'armure. Et si je dépense ça, ça me coûte 4. Contre 3. Non, c'est mieux d'encaisser. En fait, j'ai l'impression que les saignements m'ont fait des dégâts. Donc c'était peut-être pas mieux d'encaisser. Zut. Alors... Ah, du coup, là, on va tomber sur la phase épuisée, j'imagine. Yes. De l'armure. Est-ce qu'on va lui faire du dégât? Hop. Non, ça pique. Ça pique, ça pique. Ah ouais, les saignements nous font du dégât, d'accord. Donc je me disais, il vaut mieux lui faire des dégâts indirects, mais même pas en fait. Il continue de se booster avec ça. Ok, très bien. Faut qu'on se débarrasse de cet enfoiré. On tape. On enlève un cœur.
on est vainqueur. Il fait 2 fois 7. On va prendre un peu d'armure. Aïe, on perd un deuxième cœur. Putain, ça fait hyper mal ce truc là. Hein. Il faut qu'on le tue en un coup. Ah putain, on a quand même perdu un cœur quoi. 4 cumuls de furtivité. On va reprendre le tir puissant quand même. Tu peux récupérer des cœurs de temps en temps, oui, quand on arrive à un dodo comme ça là, un campement. Ok, on va continuer de booster notre petit dé. Et donc là, du coup, le combo a fini. Effectivement, on voit hein, la case, si je le bouge là, la case qui est affichée, c'est celle-là. Mais on va garder ce combo infini là, il est utile, je pense. Alors là, je me gourre pas, c'est la taverne. Oui, c'est ça. Donc la taverne et le marchand. Donc on a une petite taverne d'ambiance qui pour le moment sert juste d'ambiance. J'aime beaucoup le mec qui joue avec la flûte sur son bec. On peut pas leur parler. Mais par contre, on peut parler aux deux marchands qui vendent des trucs différents. Alors je sais pas exactement quelles sont les différences entre. J'ai pas vu de choses. Il me sautait aux yeux. Alors tu dis quoi, si tu mets le piaf au centre, il doit pas viser en bas. Si je mets le piaf au centre, il doit pas viser en bas. Non, il vise là. Je sais pas si. Et le rouge, je le mets en bas. Ah mais du coup j'ai plus mon combo infini là. Bah je vais faire comme ça si tu veux, mais je mets bien moi le combo moi. Ouais, pourquoi j'ai plus mon... Ah oui non, je me disais pourquoi j'ai plus mon doigt mais... C'est bon. Donc du coup, on va regarder un peu ce qu'on a. 1 de furtivité, consommer les cumuls de furtivité et 8 points de dégâts par cumul, ok. 4 points de dégâts à tous les ennemis, effectuer une autre attaque sur un ennemi en cas de... Oh ça c'est pas mal pour notre dé à rebond là. Infligement inflige 3 de dégâts, ah ça c'est une phase de dé, donc il faut qu'on le jette sur quelqu'un qui a déjà de l'aveuglement. Bon attends, le prix, waouh quoi. Infliger 2 cumuls d'aveuglement à chaque monstre qui vous attaque au prochain tour. Infliger 2 cumuls d'aveuglement à chaque monstre qui vous attaque au prochain tour. Ok. Bah là il est plus infini le combo là, Esquinos, je me gourre pas. Parce que là on fait ici, on termine là. Là on va là, on termine là. Là on va ici, on termine là. Donc l'objectif c'était d'avoir celui-là avant lui pour pouvoir mettre de la confusion. Et là du coup ça marche pas. Dans tous les cas on arrive à la fin sur celui-là. Il nous faudra une autre phase qui fait tourner, je pense, si on voulait, avoir un combo infini, mais... Si je mets le piaf à gauche... Bah, il y a toujours un point de fin, malheureusement. Ça change pas grand-chose. L'autre gauche. Bah, l'autre gauche. C'est le singe qui devient... infini. Après, le singe en infini, ça peut être pas mal, hein. Parce qu'il fait des dégâts. Là, on mettait de la confusion en masse sur tout le monde. Là, on fait de base des dégâts sur tout le monde. Ça se trouve, on fera des gros dégâts sur tout le monde. Le problème, c'est que du coup, il faudrait virer lui parce que lui nous amènerait sur cette face-là qui est épuisée, qui serait épuisée. Donc, ça serait inutile. Non mais comme ça c'est pas mal hein. Si on tombe sur celui-là, il nous amène là, il nous amène là. Si on tombe sur celui-là, on peut refaire un petit combo. Là, si on tombe là, ça nous permet un combo. Globalement, l'objectif de ce dé, c'est de faire des rotations pour gagner de la défense. Donc, je pense que ça fonctionne. Hein. On va regarder les autres qui nous vendent là.
Deux cumuls de sacrifices. Faire tourner le dé vers le bas. Infliger 3. Si l'ennemi est assoupi, récupérer 8. Tous les monstres gagnent 1 de confusion au début du tour. Mais ça, c'est bizarre, on dirait presque des objets en fait. Plus que des faces. Et un petit viser les yeux. Alors, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre en anglais. Au revoir. Pardon. Alors, est-ce que c'est parce que dans le jeu, dans une mise à jour, maintenant on est censé pas parler la langue de ce mec et on est censé débloquer un truc pour pouvoir lui parler? Je sais pas. C'est quoi ce délire? German. Ok. Amusant. Restons en français du coup. Est-ce qu'on prend viser les yeux à la place du coup de notre autre truc? Je pense qu'on va la prendre. Hein. À la place de celle qu'on avait prise là. Ouais, c'est chelou. Ouais, ça, en plus, ça fait un peu langue artificielle. Et le mec, c'est un poisson. Ça faisait un peu Cthulhu quoi. Enfin, Cthulien, on va dire. Si l'ennemi assoupit, on n'a rien qui fait assoupir. La confusion c'est bien mais c'est pas non plus oufissime. Celle-là me plaît bien, je pense qu'on va prendre ça. Ouais, après ça reste une bêta. Hein. Je le répète, hein, le jeu est pas fini, donc vous basez pas dessus pour vous dire ah ouais ça sera nul à la sortie. Non non. À mon sens, le jeu est déjà très bon. Et les petits bugs comme ça seront réglés d'ici la sortie, donc il ne sera que meilleur. Voilà, là du coup, on est bien. On va faire des dégâts. Du coup, sur ce dé-là, on peut prendre ce truc-là. 4 de dégâts à tous les ennemis et une autre attaque en plus s'il y a des... S'il y a une stack. Et on pourrait mettre ça pendant qu'on y est. Un petit debuff. Alors est-ce qu'on n'a pas ici un truc? Ouais, je vais plutôt le mettre là. Je vais le mettre là. Et ça, on va le foutre ici. Voilà. Et du coup, les autres m'intéressent pas des masses, donc on va garder nos sous. Et on va reprendre le sentier. Et aller se soigner du coup, parce qu'on a un peu mangé. Hein. On gagne un PV. Ok. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir! Alors. On n'a pas moyen de mettre de debuff malheureusement. On a moyen de se mettre une grosse défense, ça c'est cool. 4 de dégâts à tous les ennemis et un dégât, enfin une attaque sur un autre ennemi de plus. Ok, on a bien entamé celui-là. On va continuer d'entamer celui-là. Tant qu'il se met pas son armure. Et on va claquer la défense. Hein. On peut pas trop se permettre de prendre des dégâts là. Ok, il réattaque lui. Il est en mode vénère là. Ah la vache, on a le truc de fin mais on n'a pas le début du combo. Tant pis, ça va au moins réduire un peu ses dégâts. On va attaquer ses cœurs. Et on va prendre une petite défense. Qu'est-ce qu'il s'est fait l'autre? Gagner 1 en défense pour 1 de dégâts échangés. On va pouvoir échanger des dégâts contre de la défense. Ah, pour chaque dégât qu'il fait, d'accord. Pas cool. Alors, allons-y. Ok, on a un bon combo là.
On va pouvoir gagner de la défense et peut-être finir celui-là. On le tape, on attaque ses PV. On attaque ses PV. Est-ce qu'on le termine avec un petit saignement? Non, on n'a pas de saignement à faire avec ça. Pas la peine d'esquiver. Non, malheureusement. Alors, je pourrais. Non. Avec ça. Retourner le dé de l'autre côté. Si, je pourrais le finir. Est-ce qu'on veut claquer une esquive? Il va regagner 5 après. Hein. Il va prendre son coléoptère. Non, je pense que ça va. On va prendre un risque, mais. On va attendre. On va essayer de le finir ce tour-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 enseignements, ça suffira pas à le tuer, donc on va le jeter sur lui. Et tant pis, on va réutiliser ça pour le finir. Pas besoin de claquer de l'armure. Ok, il va nous attaquer, donc on peut prendre ce truc là. Et on fait tourner un peu les dés. Hop, un petit peu de dégâts. Et il meurt du saignement, parfait. Alors, bah on va prendre ça, l'attaque surprise. Alors là, l'attaque surprise, on devrait pouvoir du coup faire des trucs rigolos si on veut. Genre là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on repart par là. Et la grenouille devient infinie. Là, on a un bon combo infini là. Et à tout hasard, si je mets ça là. Ouais, c'est pareil, c'est infini ça. Là, c'est infini, mais on peut y rentrer par un autre chemin. Je préfère celui-là. Du coup, faut quand même que je remette peut-être ma face spéciale quelque part. Parce qu'elle est quand même puissante cette face. On va la mettre là. Ok, alors on a un event. La Dame des Bois. Dans des bois étranges, vous remarquez une femme en haillons à la présence perturbante. Elle vous incite à approcher d'une voix attirante autant qu'inquiétante. Une potion rouge. Ah, je pensais que c'était grisé parce que je pouvais pas le faire, zut. Gagnez un cœur mais perdez 5 en détermination. C'est hyper brutal! Oh la vache! Oh, ça fait tellement mal! 5 en détermination! Putain, on va tellement se faire défoncer. Bon. Ils vont nous faire 10. Il faut qu'on stack de la défense. Hein. Go. Attention. Combo infini! Tous de dégâts chacun dans vos tronches. Quête de saignement, ça suffira pas. On va l'entamer un peu plus. Ah non, j'ai plus rien. Et j'ai 20 de défense. On va faire ça. On va l'entamer un peu plus, comme je disais. Oh, ça nous a tellement à poil. Bon, le combo il est puissant, mais par contre, il est hyper cher. Hein. La vache. Ah oui, ça fait pas de dégâts, ça. Donc on va le faire sur lui. Et là, c'est 4 pour le terminer. Ouais, on va le terminer. On fait plus rien du coup. Ok, là on est bien. Il faudrait qu'on le tape avant qu'il mette son gros truc de défense là. Donc on va lui mettre des gros dégâts et du saignement. Et après on va se faire un peu de défense. Ah, j'ai pas assez.
Et ben on va se faire un peu de défense comme ça, tant pis. Et on va quand même prendre dans nos PV là. J'ai déjà claqué ça, merde. Aïe. Ouais, franchement, 5 d'endurance contre un cœur soigné en plus. Même pas un cœur en plus, un cœur soigné. C'est vraiment pas rentable. On va se faire défoncer le cul à cause de ça. Il va nous faire 10 là. Ah, on va encaisser. Autant enlever un cœur. Ah, il fait 12 de dégâts, mais il nous enlève qu'un seul cœur de toute façon. Par contre, là, il faut qu'on le tue. Là. Ça coûte 4. Et ça coûte 3. Pile poil. Waouh, c'est chaud! On va prendre ça pour compléter notre dé de défense. Là, du coup, cette face là, elle est pas hyper utile. Peut-être mieux que ça quand même, on va la mettre là. Un coffre. Un champignon. 2 points de défense supplémentaires pour les compétences défensives. C'est notre dé de défense qui reste un artefact, donc go hein. On a le droit de se soigner un cœur avant le boss. À mon avis, ça pue des fesses. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? 75! Et 6 cœurs. Et il fait quoi? Gagner une attaque téméraire quand la phase du dé est épuisée. Perdez une attaque téméraire quand les phases de dé épuisées sont jouées. Ah oh! D'accord. Donc il faudra qu'on dépense de l'endurance pour jouer nos faces. Alors il va faire 8. On a moyen déjà de lui faire un peu mal et de se défendre. On va peut-être pas aller jusqu'au bout du combo par contre. Non, on va pas aller jusqu'au bout du combo, il est tout seul. Faire 12 de dégâts à tout le monde, on va essayer de se garantir notre défense plutôt. Alors, il a un malus, ça c'est pas mal. Donc on peut lui faire mal et tourner le dé. On peut lui remettre ça. Il va faire une saloperie là. Ça fait quoi déjà? 6 d'armure et une contre-attaque, c'est pas le moment du coup. Quand même faire un petit peu de dégâts et lui mettre un petit peu de confusion. Comment ça j'ai une face épuisée là? Alors 5 dégâts supplémentaires par cumul. Waouh, excusez-moi. Attends, on a même pas réussi à entamer son truc quoi. Il va faire 4 x 6. Ouais, du coup, il fait 4 x 11. La violence. Est-ce que ça vaut le coup de payer 5 pour ça? Non, ça vaut le coup de payer 1 pour ça plutôt. Wouah! Alors du coup, je sais pas comment ça se fait qu'il a gagné un... Parce que j'ai pas vu de dés qu'on aurait épuisé. Ah, on voit pas les faces épuisées là. Ok. Je suis pas d'accord avec cette première stack de téméraire là. Ça ne me convient pas. Il va nous tuer.
14 là, on a plus de, on a plus rien. On peut même pas mettre notre petite défense. C'est la fin! C'est la fin de ce premier run. Bon, on gagne de l'XP, mais on n'a toujours pas gagné de Carmo Bonzia. On a débloqué du calme. 5 en armure par stack et 5 en armure. Ok, pas mal. Ça pique. Le jeu est dur, hein. Pour gagner cette saloperie de Garmon Bonzia, là. Alors, ça se trouve, on peut pas la gagner dans la bêta. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est dur. Donc, déjà, un petit premier run là. Qui. Waouh, quoi. On va arrêter l'épisode de VOD là. C'est suffisamment long, je pense. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Le jeu n'est pas encore achetable, mais je mettrai un lien dans la description si vous voulez le mettre en wishlist. Il devrait normalement sortir dans les mois qui viennent, puisqu'il est prévu pour 2023. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme je l'ai déjà dit, à vous abonner, à mettre un pouce, etc. Je le dis pas souvent, mais voilà, c'est l'occasion. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!